Et voilà, c'est parti. J'espère que vous avez tous bien réussi les rituels. Vous aurez la réponse ce soir. J'ai fait aussi, moi aussi, j'ai inventé aussi un petit animal familier. Voilà. D'ailleurs, il est plutôt grand, mon animal familier. Bref. Alors, aujourd'hui, comme il passe tous les mardis sur TF1, on va parler d'Harry Potter et on va faire du coup une analyse du texte du début d'Harry Potter, le premier, du coup, qui s'appelle Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà. Et du coup, ça, c'est le début du premier chapitre. Ce qu'on va analyser ensemble. Et voilà, comme ça on va bien. Parce que le début du premier chapitre, il est pas simple. Enfin, il y a beaucoup de choses à comprendre en fait. Et voilà. Du coup, c'est pour ça que c'est important de l'analyser, au moins le début du texte. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, on va beaucoup s'attarder sur la famille chez laquelle va être élevé Harry Potter. Alors, ce ne sera pas ses vrais parents. Mais parce que vous allez voir ce qui va se passer à Harry Potter, mais il va être Harry Potter quand il est bébé, transporté, donné à une autre famille qui s'appelle la famille des Dursley. Voilà. Du coup, le premier texte, il va parler des Dursley. Et voilà, qui est la famille qui va recevoir du coup Harry Potter. Du coup, on a donc 6 questions pour un total de, j'ai noté, 18 points. Et j'ai pas mis pour les enfants aussi, j'ai mis pour les enfants. Oh zut, c'est moi qui ne fais pas bien le truc. Bon bref, 18 points. Et pour les enfants qui sont dyslexiques, qui n'ont pas du coup certaines questions à faire, comme par exemple là, tout ce qui est entre parenthèses en fait. Comme cet homme, il n'y a pas besoin. À ton avis, cette question-là, ils n'ont pas besoin non plus. Du coup, on enlève 3 points, ça leur fait quelque chose sur 15. Les enfants dyslexiques, voilà. Les enfants qui ne sont pas dyslexiques, 18, ça vous fait une note sur 18. Les enfants qui sont dyslexiques, une note sur 15. Voilà. Ok. Les questions sont les suivantes, vous êtes prêts, je vais vous les expliquer. Et ensuite, on attaque le texte. Alors, c'est parti. Quelle est la plus grande fierté des Dursley? De quoi sont-ils le plus fiers, cette famille? Voilà. Deuxième question. Du coup, ça fait 2 points. Deuxième question. Monsieur Dursley, ça veut dire monsieur. Et ça... Ça veut dire Mrs. en anglais. Ça veut dire, du coup, ça veut dire madame. MR, c'est monsieur. MRS, c'est madame. OK? Ça vient de l'anglais. En français, on met juste M pour dire monsieur. En anglais, on met MR ou MRS pour madame. Vous en aurez besoin pour le texte. Voilà. Bref. Parce que l'auteur de Harry Potter vient d'Angleterre, du coup. Monsieur Dursley est-il pauvre à ton avis? Pourquoi? Là, vous devez me dire s'il est pauvre ou pas, et vous devez m'expliquer votre avis, pourquoi est-ce qu'il est pauvre ou pourquoi est-ce qu'il n'est pas pauvre. Voilà. Troisième question, que sait-on de Madame Dursley? Du coup, là, vous pouvez me dire, je sais pas, des adjectifs que vous trouvez sur elle, des choses qu'on sait. Et bonus, ça c'est pour 2 sur 2 points pour les enfants qui veulent faire le bonus. Que sait-on de son caractère, c'est-à-dire de sa personnalité? Comment est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est, en général, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir comme plutôt colérique? Est-ce qu'elle est, je sais pas moi, curieuse? Est-ce qu'elle est, bref, voilà. Du coup, ça, bonus pour les enfants qui veulent. Ensuite, quatrième question, complète cet arbre généalogique de la famille des Dursley. Du coup, là, je vous ai mis juste Monsieur Dursley. Ça veut dire qui est marié à. Du coup, Monsieur Dursley, il est marié à. Ensemble, ils ont eu un enfant qui s'appelle. Et ensuite, ça veut dire frère et sœur. Du coup, quel est le frère ou la sœur de Madame Dursley? C'est. Voilà. Du coup, ça vous passe facile, vous faites à la main comme moi. Ça vous fait 3 petits points. Ok. Du coup, là, on en est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez déjà plus de la moitié. Question pour les enfants qui ne sont pas dyslexiques. À ton avis, pourquoi Albus éteint-il toutes les lumières de la rue? Voilà. Et enfin, sixième question. Vous avez l'habitude maintenant. Trouve les mots qui se cachent derrière ces pronoms. On a il avec s. Il faut trouver qui est ce il avec s. Un homme. Il faut trouver qui est cet homme. Le. Vous devez savoir de quoi on parle. Toutes deux, vous allez devoir trouver qui c'est. Et juste, il n'y a pas 7 homme pour les enfants qui sont dyslexiques parce qu'ils auront moins à lire. Voilà. Et voilà pour les questions. C'est parti, ça vous fait du coup ça. 1, 2, 3, 4.
5. Et ça vous fait une note du coup sur 10. Voilà. Surtout que je regarde juste si j'ai pas. J'ai bien fait mon compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah non. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est bizarre, j'ai mal dû compter. Ça nous fait 16. Bon, 16, pardon. Et du coup, ça nous fait pour les enfants dyslexiques 1, 2, 3 de moins, ça nous fait 13, pardon. Moi qui ai mal compté. Bref, on arrive pour le texte. Le texte est là. J'aurais dû faire de l'autre côté, comme ça on n'aurait pas eu. C'est parti pour le texte. Alors je le mettrai sur Classroom parce que là il est un peu petit et ça va être un peu difficile à lire. Du coup le premier chapitre s'appelle Le survivant. Vous voulez juste peut-être la première ligne. Non, si je vous lis la première ligne, ça va déjà vous donner la première réponse. Zut, je peux pas vous la lire. Mais voilà du coup le texte. J'espère que vous arrivez bien à lire là. Pour les enfants qui n'ont pas Classroom. Ceux qui ont Classroom, pas de souci, vous aurez bien sûr le texte sur Classroom. Mais voilà, je pense que tout le monde devrait pouvoir quand même le lire là. Quand j'ai mis fin 10 là, ça veut dire que les enfants dyslexiques n'ont que ça à lire, ok? Ça c'est pour tous les enfants, ça c'est pour les enfants dyslexiques. Et voilà, j'espère que ce premier chapitre va vous plaire. En général, le premier chapitre est toujours peut-être un peu compliqué parce qu'on ne connaît pas les personnages, etc., etc. Mais voilà. À tout de suite, je vous fais la correction et on se retrouve après pour notre séance de sport. Bon courage à tous. Et oh, oui, je vous rappelle que... Oh, attendez. Est-ce que vous avez bien voir les mots que j'ai soulignés parce qu'il m'a mis des mots en rouge? Ça, ne pas vérifier. Je suis à ça. Voilà. Et voilà. Voilà, comme ça vous avez juste les mots soulignés que vous voyez bien. Super. Et vous êtes bon, c'est parti.